La Dent Creuse, c'est un espace vierge compris entre deux bâtiments construits. Avec le développement des villes, nous voyons de moins en moins de dents creuses, car celles-ci font l'objet d'une urbanisation. Et il y a de ce fait de moins en moins de petits espaces verts résiduels comme ceux-ci, disponibles et présents en ville. Ces petits espaces permettent notamment aux galeries souterraines de respirer. De ce fait, les rongeurs peuvent vivre sous terre sans forcément passer leur vie dehors. La conséquence directe est que les galeries ne sont donc plus ventilées. Les petits animaux de nos sous-sols sont donc obligés de remonter en surface pour se nourrir, pour respirer et pour pouvoir circuler librement. Les nouveaux bâtiments construits ont des sous-sols désormais entièrement en béton. Les rongeurs vont donc remonter par les sous-sols des bâtiments existants qui sont en terre battue. Pour répondre pourtant à ce problème, il suffirait simplement de construire en gardant une distance des sols en terre. Car conserver des espaces en terre dans les villes est nécessaire à la respiration des sols. Et quand les sols ne respirent pas, cela crée une imperméabilité. Dans de nombreux projets architecturaux, comme de grands ensembles, il existe ce que l'on appelle des bassins de rétention des eaux. Cela permet d'éviter d'engorger totalement l'ensemble des canalisations de la voirie et du tout-à-l'égout. La disparition de ces surfaces de terre en ville, les sols totalement perméables à la pluie. De fait, rien d'autre que les canalisations ne peuvent faire le travail pour la mise au tout-à-l'égout. Nos rues, notre ville, mais également l'ensemble des galeries souterraines dans lesquelles vivent les animaux se retrouvent inondées. Et les animaux vivant sous terre n'ont pas d'autre choix que de sortir, s'installer à l'extérieur. Bien que ce point peut encore amener à controverse, de plus en plus d'écologues se penchent sur la question et se rendent compte que la question de respiration des terres et des galeries, même en ville, peut être et avoir des conséquences sur la remontée de petits animaux du sous-sol en surface. Voilà, j'espère que notre petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like si ça vous a plu, et on se voit bientôt.